On va monter à l'étage. Par la suite, on va vous montrer le sous-sol et la cour extérieure. Donc, je me permets de monter immédiatement pour aller à l'étage. Donc, comme vous pouvez constater, les escaliers, les planchers, les portes, les cadrages, les moulures, tout ça a été refait. Vous avez ici la grande chambre des maîtres. Donc, voilà. Donc, c'est quand même assez grand. Si vous avez un lit king, je vais vous dire, ça va rentrer facilement. Vous avez des thermostats électroniques, encore une fois, des très grandes fenêtres. Donc ça, c'est très intéressant. C'est toujours avantageux. Hein? Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que les propriétaires, ils ont vraiment utilisé l'espace ici en bas pour du rangement. Donc, ça vous fait beaucoup plus de rangement comme garde-robe ici. Donc, c'est vraiment très, très spacieux. Et puis, en plus, vous allez avoir ici un autre garde-robe, un autre espace de rangement. Voilà. Donc ça, c'est pour la première chambre des maîtres. Donc n'oubliez pas, vous allez avoir deux chambres ici à l'étage. Donc voici la deuxième. Encore une fois, avec le même principe des armoires ici, de rangement avec les tiroirs qui sont encastrés dans les murs. Voilà. Et puis encore une fois, vous avez ici quand même la grande fenêtre complètement nouvelle. Donc ici, si vous avez encore une fois un grand lit, aucun problème, ça va rentrer. Encore une fois, des thermostats électroniques partout. Et puis voilà, donc ça a été les deux chambres à l'étage. Alors, nous allons descendre, nous descendons. On va aller faire... On va juste fermer la ventilation. Alors, nous allons descendre au sous-sol. Et puis au sous-sol, vous allez voir comment c'est grand encore une fois. Donc, c'est vraiment, c'est des excellents travaux qui ont été faits. Donc, voilà, vous allez avoir ici votre salle familiale, salle de jeu. En tout cas, vous faites ce que vous voulez dans le fond, là, mais vous allez avoir un grand espace ici en bas qui a été très bien rénové. Encore une fois, vous allez avoir beaucoup de fenêtres. Bon, la hauteur, je vous dirais, c'est peut-être pas loin de 7 pieds, d'après moi, 6 pieds et demi, 7 pieds. Vous avez ici, encore une fois, votre entrée laveuse, sécheuse. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage. Hein. Donc, vous l'avez ici au sous-sol avec du rangement. Vous avez ici le lavabo, du rangement encore une fois ici en bas. La pression est très bonne. Donc, vous avez votre entrée laveuse-sécheuse plus une salle d'eau, donc une toilette. Et qu'est-ce que nous avons ici en dessous? Eh bien, ici en dessous, vous allez avoir le réservoir d'eau chaude. Je pense que c'est avec hydro-solution. Donc, voilà. Donc, ça, vous avez ça ici. Et vous avez ici en plus une quatrième chambre à coucher. Donc celle-ci est encore une fois très très grande avec une fenêtre. Vous allez avoir un garde-robe quand même assez grand. Voilà. Donc ça vous donne une bonne idée. Et puis en plus avec cette chambre-ci, vous allez avoir une douche, une toilette pour vous. Donc c'est vraiment privé. Donc ça, encore une fois, je vais vous dire, c'est très, très intéressant avec tout l'espace de rangement que vous avez. Voilà la ventilation qui est là. Donc voilà, donc c'est vraiment une très grande propriété. Je vais vous dire, c'est 4 chambres au total. Vous avez la salle de jeu, vous allez avoir le salon, salle à manger. Vous avez quasiment 2 salles à manger. Donc c'est vraiment immense. Donc puis la perception qu'on a de vue de l'extérieur... Mais on pense que c'est une toute petite propriété. Et puis non, des fois, voyez-vous, les apparences peuvent être trompeuses. Donc voilà, donc on a fait le tour ici de l'intérieur maintenant. Je vais sortir à l'extérieur. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est une journée un petit peu grisâtre. Hein? Donc il pleut à l'extérieur. Vous allez avoir en plus un cabanon, ou peut-être même 2, plus une piscine, terrasse et la cour. Donc alors, je vous fais montrer cette partie-ci. Donc vous allez avoir ici la terrasse. Donc, vous allez avoir ici de l'espace. C'est quand même une grande cour. Voilà, je vais vous montrer la piscine immédiatement. Ça va faire le tour. Voilà, donc vous avez quand même une grande piscine. Donc, j'imagine qu'avec le 360 degrés, vous êtes capable de tout voir ici. Donc, vous avez aussi une vue sur l'arrière de la propriété. Donc, tout a été refait dernièrement. Je vais juste aller faire un peu mon curieux et voir qu'est-ce qu'il y a dans le cabanon. Donc vous allez venir ici, si vous voulez faire un côté jardin,
c'est parfait aussi, hein? Donc vous allez avoir amplement de l'espace. Bon, je ne sais pas si j'ai la clé, si c'est ouvert. Est-ce qu'on peut entrer ici? Ah oui, on peut rentrer. Ah ben voilà, vous avez ici votre cabanon. Donc vous avez ici le système, la pompe pour la piscine. Donc c'est vraiment un grand cabanon, hein? Donc vous pouvez faire du rangement, les vélos, toutes sortes de trucs que vous avez besoin de ranger. Donc ça peut être entreposé ici à l'arrière. Donc voilà. Donc ça, ça a été pour l'espace de rangement. Alors ici, je n'ai aucune espèce d'idée. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici, là? Alors ici aussi, ben voilà, ça fait un deuxième espace de rangement, un deuxième cabanon. Donc voilà, donc puis il y a le côté, c'est les voisins. Et puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir du stationnement. Ça reste à confirmer, mais d'après moi aussi, vous allez avoir l'espace de stationnement juste ici, que vous pouvez voir. Bon, d'un côté, ça va être les voisins, puis de l'autre côté, ça devrait être pour vous en tant que locataire. Donc, voilà. Alors, nous allons rentrer à l'intérieur. Et voilà. Alors, je vais vous dire, ben honnêtement, ça semble un coin très, très tranquille. Donc, très résidentiel, très paisible. Donc, si cette belle propriété, vraiment, qui a été refaite, reconstruite, refaite au complet, rénovée au complet ici dans le secteur de Hunsick, si ça vous intéresse, comme d'habitude, vous nous contactez au 514-622-3314. Vous faites une demande via Facebook, via notre chaîne YouTube, ou vous vous inscrivez comme bon locataire dans la section locataire dans le site internet bonlocataire.com, toujours au pluriel. Si vous êtes un propriétaire et vous connaissez des, vous cherchez plutôt de bons locataires, contactez-nous, nous allons vous aider. Donc, faites comme plusieurs propriétaires qui nous font confiance déjà et qui ont obtenu des très, très bons résultats. Alors, merci beaucoup. Partagez cette vidéo et puis au plaisir de vous rencontrer prochainement dans cette belle propriété. Bonne journée.